Bonjour à tous et à toutes, je vous reprends les 15h et quelques. Il est 18, on est le 18. Je vais vous montrer le petit plan de travail que j'ai fait ce matin. Et là, je viens de finir, il n'y a pas très très longtemps. J'ai commencé, il devait être 11h, 11h30, ouais, par là. Et je viens juste de finir, et encore j'ai pas encore tout à fait fini parce qu'il me manque des feuilles, mais bon, j'ai quand même voulu essayer de tester déjà ce que je voulais faire, et apparemment ben pour moi ça donne très très bien. Ça fait même un style un peu ça fait comme un genre de petit bar, mais caché. Donc hop, je vous montre ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez là en bas, j'ai pas fini. Il manque encore une petite partie de feuille pour pouvoir finir le petit coin là où c'est encore blanc pour cacher. Là, là c'est la saleté, hein, parce que comme j'ai sur le rebord, c'était sale, j'ai tout nettoyé, j'ai gratté, tout ça. J'ai enlevé toute la saleté, j'ai nettoyé. Et il me restera qu'à peindre la plinthe. Voilà, et ça fera encore beaucoup plus joli quand je peindrai la plinthe. Donc là, j'ai mis un morceau de bois avec un autre morceau pour éviter, si jamais il y a du poids, que la planche se casse. Donc ça fait un surplus. Et voilà, j'ai nettoyé les planches à l'eau de Javel. Donc voilà. Donc j'ai pas fait en dessous. J'ai pas fait en dessous. Après je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien. Est-ce que éventuellement je fais en dessous, je sais pas. Parce qu'en haut, il y a quand même un sacré décalage. Il y a un sacré décalage. J'ai pas fait attention parce que comme au bout, c'est un petit peu arrondi. Donc c'était pas facile pour coller le papier. Comme le papier n'est pas tout à fait droit, il y a certains papiers, ils sont très très mal coupés. Il manque des morceaux, ou c'est plus grand d'un côté, c'est plus large de l'autre. Ou vice versa, c'est plus grand d'un côté et vers le bas, c'est plus petit. Donc c'est pas facile. Donc je sais pas. Est-ce que je rec... De toute façon, je vais être obligé de recommander du papier. Mais est-ce que je repasse un morceau de papier en dessous pour cacher le blanc là en haut là? Ou éventuellement je laisse comme ça. Je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire si éventuellement est-ce que je fais carrément le dessous pour cacher le blanc là. C'est un petit peu là-bas aussi, là. J'ai pas fait attention. Éventuellement, il manque du papier aussi. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça donne ça. Dès qu'on met des planches en bois et tout, franchement ça donne un petit genre, ça fait comme un petit bar caché. Donc Wally Walou, voilà mon travail d'aujourd'hui. Et ma journée n'est pas finie parce qu'il faut que je fasse le restant du couloir. Qui veut dire que le papier, il est là sur la table, il est prêt. Et je vais démarrer. Là, je vais boire un bon petit café. Parce qu'à la force de me mettre à genoux, j'ai mal aux genoux. Et il faut que je termine mon petit couloir. Oh, mon bébé, il est là, le petit bébé, son papa. Hein, mon cœur. Oh, oui, mon bébé. Oh, le petit bébé, son papa. Non. Ah, déjà bébé, hein, déjà. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Hein? Qu'est-ce que c'est ce bordel?
Il y avait des bouteilles partout, papa m'a mis des bouteilles partout, je savais pas où je mettre. Hein? T'es jolie, t'aimes bien? Hein, mon cœur? Hein? T'aimes bien mon bébé? Hein? Tu trouves ça beau ou tu trouves ça pas beau? Hein? Toi, tu t'en fous, hein? 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 Tu t'en fous, toi, hein? Hein? Du moment que c'est propre, c'est rangé, le reste, tu t'en fiches. Hein, mon cœur? Bah oui, mon bébé. Allez, saute! Allez, hop là! En tout cas, le temps est très 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 beau. Il fait même très lourd, très chaud. Donc moi, je suis en t-shirt, je suis en Marcel. Et bah voilà. Hein. J'ai encore ça à finir aussi. Le truc à racheter de la peinture de cette couleur-là. Pour pouvoir finir, j'ai les produits finis à faire. C'est tout l'eau, les pains, mais il reste que le bas. Vous voyez, le bas, c'est un peu caca. J'ai pas fini de peindre. Et puis une partie là, tout ça, c'est n'est pas peint. Et puis ainsi que la planche, j'ai les deux planches là, j'en ai une là, puis l'autre, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Pareil, il faut que je la nettoie, je la peigne pour que ça fasse un peu plus joli. Donc aussi comme il me reste du hop, comme il me reste du truc faux herbe, donc j'avais eu l'idée éventuellement de l'idée éventuellement de mettre ça comme ça à l'intérieur, parce que c'est quand même assez c'est pas trop épais pour la poussière. Comme ça j'ai juste enlevé les tasses, le truc je le prends, hop, je le secoue dehors et puis vas-y à l'archabad. Et comme je vous dis hein, je vais faire côté compagnard, donc voilà, ça donne, si je mets les tasses éventuellement comme ça là, hop, hop, ça en pousse ça, voilà, ça donne ça. Bon, à part si je le coupe bien correctement, celle-là c'est une chute. Donc à votre avis, bon, moi c'est une idée. J'ai dit à Cécile, elle a peur que ça fasse trop de poussière, malgré tout, parce que c'est quand même du truc, quoi. Après, c'est une idée. Est-ce que pour vous, c'est bien ou je devrais pas le faire? Malgré que je trouve ça assez mignon. Comme ça, quand tu ouvres, hein, t'as l'impression d'avoir de l'herbe dans ton placard. De l'herbe à chat ou de l'herbe à sniffer. Non, après, je sais pas. Je sais pas en grandeur nature qu'est-ce que ça ferait, mais bon, voilà, c'est comme si je vous dis, c'est une petite chute. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon, ça change un petit peu des trucs de couleurs ou de machin que tu mets. Après, je pense pas que ce sera plus de poussière qu'autre chose. Parce que je le fais quand même régulièrement. Même si je vous montre pas en caméra, je nettoie assez régulièrement à l'intérieur. Et après, pourquoi pas, ça peut être un petit truc sympa. Comme du fait, je vais faire vraiment compagnard dans la cuisine. Comme ça va. Quand tu ouvres, hop, oh, il y a de l'herbe qui pousse. Donc voilà. Pour moi, ça fait mignon. Après, voilà. Ouh. Donc, je suis en train de boire de l'eau avec du jus. Donc, il faut que je termine là. Ça va finir.
L'infinir. L'infinir. Le petit coin à finir. Donc j'ai repeint. J'ai repeint le contour en blanc. J'ai tout repeint. Donc là, il reste le plafond à faire. Donc j'ai peint tout le contour. Tout le contour il a été peint. Hop, il a été repeint. Mais le souci, c'est que oui, j'ai fait des bêtises. J'ai mis la peinture sur le truc noir. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a sur la porte. Et puis l'autre, il a pissé alors que la litière, elle est propre. J'en ai mis là. Voilà, donc ça, j'ai racheté une bombe. Je vais repasser une bombe. Je vais attendre de bah là, j'ai enlevé la planche qui était là. Comme ça, ça va... En mettant le papier là, ça va cacher la misère. Là aussi, là, tout ça, je vais repeindre. Je vais repeindre en blanc. Voilà. Là, à finir. Et le bas à finir. Et ce petit coin là-bas à finir. D'après, là aussi à finir. Et normalement, normalement, je dis bien normalement. Ouais, là, j'ai oublié de passer là. Un coup de noir. Et logiquement, ça devrait être terminé. Après le couloir, c'est fini. J'en parle plus. Il y aura juste le décor à faire, mais ça après, ça attendra. Le décor, on fera ça petit à petit, à l'occasion. Mais au moins, voilà, au moins que le couloir soit fini. Le plus chiant, bah voilà, c'est le plafond, quoi. Une galère. C'est le plafond. Voilà les petits trucs que j'ai fait là, c'est avec le pinceau, mais bon, ça pète la galère. Déjà là, j'en ai chié. Alors, imaginez l'autre côté. Donc bah voilà. Voilà, c'était une petite vidéo. Là, c'est pareil, faut que je le termine. Faut que j'achète de la peinture à bombe spéciale pour ça. Et puis voilà. Donc voilà. Donc j'ai tout ça à faire. J'ai ça à faire. J'ai ça à faire. J'ai tout ça à faire. Ça à faire. J'ai tout ça à faire. Tout ça. Tout ça à faire. Et après, stop. Je m'arrête. Je m'arrête là. Et les autres côtés, bon, avec les machines, le bordel. J'ai pas envie de m'amuser à tout enlever. Qu'est-ce que je ferais? J'achèterai des trucs de feuillage pour cacher un peu les tuyaux. Comme ça va donner un petit peu de verdure. Donc je sais, vous allez me dire, ouais, ça va prendre de la poussière, ça va faire un gras. Mais après, bon voilà, c'est pas vous qui nettoyez, c'est moi. Donc mettre tout autour des fausses feuilles avec des fleurs et tout. Soit des pâquerettes ou des roses ou du voilà. Et par certains endroits, je mettrai des petits morceaux de briques comme ça, soit par deux ou par trois ou juste un seul ou juste deux alignements. Pour voilà, là c'est pareil, j'en mets un petit peu partout pour faire voilà, ça fera comme si ça serait une vieille cuisine, que les pierres, il y aurait plein de pierres qui se tremblaient et il resterait quelques petites pierres qui resteraient. Mais j'ai vu ça sur internet, ça fait pas mal. Ça fait mignon. Franchement, ça fait bien. Donc, wali, walou. Et après, pour le nettoyage du plafond, on verra. On verra ça si je serai d'attaque. En tout cas, voilà, je suis content de mon travail. Surtout avec les planches. J'ai remis les planches. Franchement, ça donne déjà tout de suite un petit éclat sympathique. Un petit éclat barre. Un fond barre.
Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, moi personnellement, j'aime bien. Et même Cécile, elle aime bien, elle m'a juste dit comme quoi que bah, ça faisait drôle, ça changeait, mais qu'elle aimait bien, elle kiffait. Et encore, elle n'a pas vu avec les planches et tout. Elle a vu sans les planches. Mais quand on va voir avec les planches et tout, bah, je pense qu'elle va kiffer, quoi. Donc, Wally, Walou! Donc du coup, voilà, on va attaquer ça là. On va attaquer ça. Et après, bah, l'Archabad, hein. Wally Walou. Donc sur ce, je vous fais de gros 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 bisous. Donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se dit à très très bientôt pour des nouvelles aventures de Déco Brico. Ciao ciao!